Sidney Poitier est un pionnier de la cause noire à Hollywood. Le premier afro-américain à décrocher des rôles principaux. J'ai eu bien peur que ce soit moi. Dès 1952, il révèle le visage de l'apartheid en Afrique du Sud en révérend bouleversant, d'ampleur au mon pays bien-aimé. Your word in your mouth. En 67, il donne à voir les problèmes sociaux d'un jeune prof dans la banlieue de Londres face à des ados rebelles. Est-ce que vous croyez vous être bien conduit, comme un homme ? Sidney Poitier marquera toute une génération dans Devine qui vient dîner, en portraitisant un médecin noir confronté à l'hypocrisie raciste de ses beaux-parents. Je vous conseille de vous asseoir avant que vous ne perdiez l'équilibre. Mais il croit que tu vas t'évanouir parce qu'il est noir. Il réalisera son premier film en 1972 avec un western qui montre pour la première fois un cow-boy noir affrontant les esclavagistes. Je suis Buck. Découvrez comment Sidney Poitier a changé le visage de l'Amérique. Ce n'est pas génial ? Oh, c'est génial. Cycle Sidney Poitier, tous les jeudis à 20h50 sur Classique.